Bon voilà, aujourd'hui je vais faire des côtes de porc au fumoir. Et je vais faire une marinade 2 heures avant pour que le parfum de la fumée s'imprègne mieux. Donc je vais mettre du poivre noir, ça c'est du sucre, ça c'est du carvi, et ça c'est du romarin, et ça c'est du sel. Donc en fait, je vais mélanger tout là-dedans. Je pourrais pas filmer parce que c'est chaud de faire avec une main. Je vais tout mélanger là-dedans. En fait, ça je vais mettre un petit peu. Ça je vais mettre ça, il y a 30 grammes. Ça du carvi, je vais mettre une bonne cuillère. Ça, je vais mettre 3 cuillères à soupe. Ça, il y a 10 grammes de sel. Normalement, c'est du gros sel, mais j'ai pas. Et là, il y a à peine 1 litre d'eau. C'est parce que j'ai que 2 côtes de porc. Donc, ça suffit. Voilà. Donc, là, je fais mariner. Je vais mettre ça au frigo pendant 2 à 3 heures. Ensuite, j'allumerai le fumoir et je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, j'ai mis les côtes de porc. Ça fait 15 minutes. Voilà, je vous montre. Enfin, je vous montre ce que je peux. Voilà, je referme et puis je vous montrerai la fin de cuisson dans 20 minutes, je pense. Voilà, j'ai diminué la hauteur du fumoir. Là, on est à 160 degrés. Là, je vais l'ouvrir devant vous et enfin, je fais comme je peux, hein, toujours en filmant d'une main. Je vais l'ouvrir devant vous et je vais retourner les côtes. Parce que là, on va voir ce que ça donne. Hein. Wow, déjà, ça le fait, hein, je crois. Ah, ça le fait bien même. Ah, c'est super beau. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser encore 5 minutes et je coupe. Voilà, je referme. Bon, je vous dis à tout à l'heure, les gars. Bon, ben voilà, là, on est à presque 200 degrés. Hein. Donc là, je vais arrêter les côtes de porc. Je vais les mettre sur l'assiette. J'espère que le résultat sera top. Sincèrement, je sais pas si vous les voyez là. Donc voilà, je vais faire comme je peux. Voilà. Voilà les deux côtes de porc fumées. Bon ben, il n'y a plus qu'à goûter. Je vous souhaite bon appétit.